Eh bien, bonjour à tous, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le serveur bêta. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec un petit colisème. Alors, au niveau de ma team, j'ai donc mon Osamoda. Il y a un Sadida, enfin une Sadida level 200 en 11-6 avec des résistances plutôt moyennes. Avec 4500 de vita, un Eneripsa level 200 avec des résistances plutôt moyennes également, 4002 de vita. Ensuite, pour le Krat, enfin la Krat en face, level 200, 11-6 avec des résistances, ouais, plutôt correct aussi, enfin moyen, 4100 de vita. Le Yop, c'est un petit peu plus costaud au niveau de ses résistances, en 6, level 200, 4002 de vita. Et la SRAM qui joue en 11-6, level 200, grosse résistance haut, et après des résistances plutôt correctes dans le reste des éléments. Alors, on va voir comment ça va fonctionner avec un Sadida. Alors, faudrait essayer qu'on puisse poser notre jeu. Malheureusement, cette map est pas si simple que ça, je trouve. On va bien voir. Pouf, le retrait PM là, ils ont pris cher. Ok, ça joue. La coco et le yop qui se rapproche. Au niveau du heal, ils ont pas de heal par contre, donc ça va être un petit peu comme le précédent combat que j'avais joué avec Sadibrisole. En gros, faut qu'on résiste et qu'on les démonte petit à petit. Et là, faut clairement éviter la coco, éviter le tour de la précie. Parce que ça peut faire très mal. Alors. Par contre, je suis un petit peu bloqué là. Enfin, un petit peu gêné par les invocations. Je pense que je vais envoyer sûrement un petit crackler. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Est-ce qu'il s'invite? Mais ouais, voilà, piège mortel, piège sournois et répulsif. Alors, on va aller placer, voilà, un petit Doppel et on va se remettre ici. Allez, varoxer un petit peu. Moins 130, moins 125 et moins 67. Alors, la crate. Avec 2 PM, ça va être un petit peu compliqué. Il va pouvoir peut-être démonter mon Doppel, ça c'est pas bon. Moins 159, il va sûrement retirer des PA là. Ou peut-être l'œil de top. Ok, non, à la flèche. Par contre, je commence à me dire, vu qu'il tape feu, c'est possible qu'il joue E-type. Ok. Attention, le Sadida, parce que là, je le sens mal avec le Yop. Moins 1 PM. Là, donc le Yop qui est à 4 PM et la Krat à 3 PM. Un petit arbre. Ah ouais, du coup la surpuissante n'a pas la PO. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a la zone pour faire une belle petite brochette là. Pour tous les invocs qui vont prendre cher. Alors, voilà. Et malheureusement, mon Doppel qui y passe. Là, c'est dommage. Il faut qu'on fasse attention, hein, parce que là, on peut prendre cher. Alors, plus de PA sur le Sadi. Mode régène. Plus 404 PDV. Et plus 423. De voir, il a quoi du coup le yop? Ouais,
Là, il a lancé un piège sournois, piège mortel. Lui, il continue son réseau. Je vais booster notre Sadida. Je pense que c'est la meilleure chose. Je vais peut-être mettre sinon... non, je vais le booster au taquet. Alors, hop, 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 et hop. Voilà, niveau boost, je peux pas faire plus ça. Ouais, petite chose, j'enregistre avec un nouveau logiciel, puisque bon, l'autre, j'en ai eu marre, niveau qualité, je trouvais qu'il était pas fameux. Donc là, j'ai choisi de prendre un autre logiciel. J'ai fait 2-3 petits tests et c'est la première vidéo que j'enregistre avec ce logiciel. Donc j'espère que tout va passer. Alors, faut que je rush. Enfin, fais pas le fou non plus. Je vais lui dire attention quand même au yup. Attention quand même. Merde. Oh, yop. Sachant que le tour d'après, il y a la coco. Alors, moins de PM sur la crate. Un petit arbre pour gêner justement au mieux. Pour gêner au mieux. Alors, par contre, à sacrifier, n'aura pas... pas pouvoir toucher. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bon. Oh putain, il y va. Excusez-moi, je me suis emporté. Il fait le fou. Il fait un petit peu le fou. Le démonter. Tour d'après. Coco. Allez. Pouh. Marteau fossile là qui fait plaisir. Qui fait vraiment très plaisir. Ah oui. Alors par contre attention parce que je pense qu'il y a un petit réseau là. Mettre dans un réseau. Même si je pense pas que ça va faire très mal. On va voir. Sachant que notre Sadida, il a quand même le... Il a quand même le crapaud. Donc logiquement, ça devrait le faire. Petite flamiche. Ok. Alors. Tac. Tac, et je vais me faire un petit est-ce qu'il le tacle? Non, il tacle pas. Je voulais est-ce qu'il le bute? Ah, même pas, j'aurais dû en fait le taper. Mais ouais, du coup, j'ai hésité à mettre un petit coup des types. Ah là, il va pouvoir finir, je pense. Non, ça va, il finit pas. Heureusement. Ouh. Nickel. Et Ouh,
C'était nickel, mais ouais, j'ai peut-être un petit peu merdé puisque de base j'aurais pu le Flamish. Ah putain, j'étais sûr qu'il allait peut-être y avoir quelque chose. C'est dommage. Bon, ça va la jouer 2 contre 2. C'est dommage qu'il soit décalé. Bon, le SRAM qui commence à prendre cher. Du coup, j'hésite. Soit je le remets, mais on risque de prendre cher. Soit sinon, je booste au taquet. Je te booste ou je remets Sadie. Sûrement. Booster, je pense que c'est plus correct de le booster. Alors non, je voulais pas que tu prennes des pièges. Parce que là, si je faisais la libé, je pense qu'il pouvait prendre cher. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bazar, il y en avait un là. C'était hasard, hasard. Attention quand même qu'il tombe pas. Moins 650. 4, moins 787 Irox, moins 605. Pouah, il le démonte, il le démonte. Ah, par contre, lui aussi, il va le démonter. Mais alors, attention, on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Le SRAM, est-ce qu'il va tenter le Rox sur les nids? Ou. Il va tenter de se rapprocher. De toute façon, là, il faut qu'il tente tout pour le tout, le SRAM. Ok, donc là, il se met devant, mais je peux l'avoir. Ah, ou non, je peux pas l'avoir. Ben, on va faire des deux pots, hein. Vas-y, on va taper un petit peu. Tac. Tac. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Il reste maintenant juste le cra. Petit bug. Ah, il va le finir. Il va le finir. Mais je vais pouvoir le replacer. Je trouve que j'ai pas fait un super combat de ma part. J'aurais pu faire mieux, je pense. Bon, après là, je pouvais pas faire grand-chose pour le soigner. Alors. Allez, va le démonter. Bim. Voilà, deux coups de dopu, ça fait du bien. Ah, il veut reterminer Lenny. Pouh, ça fait mal. Ah oui, il va le terminer, hein. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
Alors du coup, on va faire hop, hop. Allez, gêne pas par contre. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il peut pas taper, putain, je suis con. Par contre, il sera boost. Mais repars pas là-bas. Pas pourquoi il s'en va. Donc il va falloir faire quand même attention. Ok, il veut regagner des PM. Ok. Tac. Allez, je vais faire de beaux petits dommages. La petite debuff, voilà, moins 355. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il a la petite punitive. Mais après, c'est vrai que j'ai des belles petites résistances. Il va tuer mon. Ouais. Il veut le buter. Ah mais ça va, il n'arrive pas à le buter. Du coup, on va aller mettre un petit. Voilà. Allez, vas-y mon petit. Et là, clairement, je vais pouvoir après replacer Lenny si ça continue. Par contre, ça, il fait un bon petit ménage depuis tout à l'heure. Là, allez voir où que c'est un petit peu. Ok. Alors, donc là, il se débarrasse de mon petit crasher. Ça me pousse. Ok, une petite punie. Allez, Varoxé, mon petit. Voilà, parfait. Il va peut-être mettre un petit coup d'œil de top dans le tas. Dans le tour full boost. Ok, donc là on va aller faire ça. On va mettre une petite kawotte. Passe à 2004 à 2008. Moi, je récupère un petit peu de Vita. Waouh, il commence à faire mal, hein.
Allez. Là, on y croit. Et là, j'espère qu'il va tenir le coup. Ok, ça va me finir. Allez, vas-y. Là, je pense qu'il peut me soigner un petit peu. Ouf, même là, ça peut passer. Alors, ok, un petit peu de soin, ça fait plaisir. Tac, qu'est-ce que je peux faire? Un petit presse-pique. Et DPM à Lenny. Allez, retire des PA. Moins un PA. Ok, ça continue à me rox. Moins 360. Bon, ça va, c'est pas de gros dommages. Et là, Lenny va pouvoir le taper un petit peu. Il va pouvoir se faire plaisir. Avec ses 8 PM et 13 PA. Allez, fais-toi plaisir. Wow, prends cher. Allez, go. Je vais aller mettre un petit. Voilà, un petit cracker. Allez, retire-lui des PA, ça peut être sympa. En plus. Il se fait un petit peu tacler, donc c'est assez nickel. Il va pas pouvoir bouger. Et là, on approche donc de la fin du combat. 1100 PDV. Donc les deux petits deux cocos qui font plaisir. Ah, ça me capte. Ok. Bon, ça va, c'est pas trop. Je résiste. Allez. Moins 1100, il fait mal avec son marteau fossile. Et voilà, il vient de le terminer. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors malheureusement, je vous ai posté encore un petit colis parce que j'ai pas eu l'occasion de faire du PVP. Enfin, à chaque fois que j'ai essayé de faire du PVP, en fait, ça a un petit peu échoué. Donc je vous propose aujourd'hui cette vidéo Colisem et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime, ça me fera très plaisir et ça m'encourage pour la suite. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde!